comme ça, j'ai le truc, c'est parfait. C'est quoi 700 MP? Non. 1080, c'est bon. Là. Attends, 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 mise en place, mise en place. Mais qu'est-ce que c'est? Vas-y, vas-y, tu peux rentrer là, vas-y. Je m'en mets où? Tu t'avances, il y a des places partout sur les côtés là. Vas-y, roule, roule. Vas-y, vas-y, avance, avance. À droite ou à gauche, comme tu veux, c'est pareil. Même moi. Pardon, en fait tu m'as envoyé la part de tranquille. Ouais, tranquille, tranquille. Ouais, pas de galère, pas de galère. Garde de devoir. Ah, je pensais que c'était une fête genre stylée et c'est de la merde, genre c'est une fête des clochards encore. Putain de merde, ça casse les couilles. J'aurais dû m'habiller à l'arrache, bordel de merde. Oh bordel, à chaque fois ça va être la même. C'est pas à chaque fois je fais n'importe quoi, bah, je m'y attends pas, tu vois. Je fais n'importe, je fais n'importe, je fais n'importe, c'est trop chiant. Je fais pas n'importe. Mais pour moi, enculé, bah, tu sais qu'il est en train de danser là-haut comme un débile. En plus, il y a Lily. Oh. Ah, comment je suis perdu là. C'est pas le bon bail, hein, vraiment, c'est pas le bon bail du tout. Hein. Le numéro du mécano ici, histoire d'aller faire de la mécanique. Eh, fais comme chez toi, mais toi bien, je vois t'es seul. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Maintenant, qui voit l'âge? Oh, mais c'est moi qui voit l'âge de hier. Tout bien? Ouais, 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 elle a bien, elle a bien. Y'a ta meuf, hein? Elle ne commence pas, carrément. Je savais pas, c'est où Jefferson il m'a dit, viens, c'est une bonne fête, il m'a pas dit, et du coup je suis venu boire un peu. Ouais, petite fête à la bien, ils ont fait une fête entre eux, on regarde de loin. Et pourquoi, c'est là où vous habitez ici? Ouais, 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 nous nos maisons sont là, là, de l'autre côté, là-bas, tu vois là-bas? Si. Là-bas c'est la vraie street. Ah, c'est ça. Dès que tu vois la petite ligne devant là, tu marches dans cette rue, oui. Pas te mentir, hein, tu te fais niquer ta mère. Ah bon? Là ici c'est plus, tu vois, un peu plus calme du quartier. Ah mais du coup, j'ai pas envie d'avoir de problème, moi. Je pensais juste venir faire une petite fête tranquille. Tu vas pas me découper avec tes collègues. Non, 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 non. Vous savez, hier, quand on parlait de voilà, les gens tranquilles, ils crèchent là, tu vois, dans ces maisons-là, ils font leur vie. Nous, on est plus haut. Et voilà, ah, quoi. C'est différent. Habiter là et les autres, et vous, là-bas, ben... Là-bas, c'est la zone. Ah, c'est le coup. Ouais. Bienvenue dans la famille, Herman. Ouais, tranquille, ouais, ouais, mais c'est qu'un polo, c'est qu'un polo, hein. Arrête, 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 je suis content pour toi, là, je suis content. Non, parce qu'en gros, ils aiment bien mettre ce polo, eux. Du coup, je l'ai mis, et voilà, quoi, elle a bien. Ouais, ouais, ben, ça ouais, elle est où ta fille, là, Emmanuel, ramène-la, là. Elle est pas là, ce soir. Ouais, ouais, équipe de football, ouais. Ah, si, vraiment? Elle a une fille, elle est incroyable. Ah, mais à chaque fois que je te vois, tu parles tout le temps de gonzesse, toi, c'est grave, hein.
Seigneur, vous allez dire que je suis un pervers sexuel, monsieur. Ouais, par contre, pas avec ma fille, hein. Je veux bien que tu la trouves belle, mais pas pervers. Ah, mais j'ai une attirance, c'est pas pour autant que je vais aller la voir. Ouais, tranquille, je sais que t'es un homme respectueux. Bien sûr, toujours dans le respect et la bonne humeur. Content. Franchement, content de quoi? Du polo, tout ça, franchement, je suis content. Ça fait plaisir. Dis-moi, Cristobal, est-ce que je pourrais avoir confiance en vous et que je me fasse pas voler ma coachée là-bas, là, ça va jeter? Non, tranquille. Ah, y'a rien. Merci. Il veut parler, okay. Ouais, du coup, quoi? Ouais. Excusez-moi, je vous connais pas. Alors, on a l'équipe. Lui, FC c'est le. Ouais. Vas-y, parle. Lui, c'est un mec qui est une association de karting. C'est vrai, du karting? Ouais. Ah, je suis très fort au karting au Portugal, j'étais premier je de rigole, la Champions. Je rigole. Ah bon, ben merde, c'est plutôt un car. Il aime bien les. Tu vois, un chauffeur de car. Ouais, car. Je suis un chauffeur, tranquille. Je pilote de tout. C'est un homme, ben ouais. J'adore les poids lourds et. C'est qui cette crasseuse là? Arrête, à chaque fois tu vois une grosse. Braguette ouverte, elle abuse. Elle abuse, attends, venez voir. Mais non, caral. Ce que tu veux, mais j'ai plus de cul. Ça sent les problèmes, tout ça. Voilà, vous avez quel âge, madame? Ah bah moi j'ai 22 ans. Ah ouais, hein? Non, je vais aller en prison, moi. Ouais, tu mens. Qu'est-ce que c'est que ce tu mens. Ah non, non, non. Comment ça se fait, t'es aussi... ridée. Non, je suis pas ridée, c'est juste qu'il y a des putains de connards qui m'ont cassé la gueule. Et du coup, eh ben, j'ai des cicatrices. Ok. Dis-moi, t'as bu un peu, tu as de l'alcool, non? Non, non, non. Bois. Ah non, moi j'ai bois pas soif. Un petit coup, bois, mais si. Tiens. tiens, même ça, à la bien. Ah ouais? Mais c'est quoi ça, je comprends pas. T'inquiète. Bonne soirée, ouais, tu voulais dire quoi? Bah merci. J'attends ma copine. Vous la connaissez? Ouais, la chinoise là. Ouais, elle est trop gentille et trop belle. Ouais. Bref, vas-y, force à vous, madame. Merci. Bonne chance. À bientôt alors. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah voilà, toi aussi t'as pas été poli là. J'aime pas te mentir que c'est un peu bizarre. Vas-y, on est en soirée, bonne ambiance. S'il te plaît, va voir Lily et fais lui croire. Oh, arrête avec ça. Tous les jours, elle me casse les couilles. Mais non, attends, vite fait. Ça, c'est invité d'honneur, ça. Ah, bon, allez. Mais bienvenue. Viens, dis-leur bienvenue. Bienvenue. Hola, bienvenue. J'espère que vous passez une bonne soirée à la casa de les chicos. On espère aussi, hein. Gracias. Moi, je connais pas trop de monde. C'est des hommes, pose pas de questions, c'est des hommes bien. D'accord. Pas de questions, sinon t'auras pas de questions. Allez-y, hein. Petite danse, c'est gracias, la chica. Gracias, hein. On voit ça. Ça fait plaisir. Bon, vas-y, va danser, va d'être ça. Ouais. La copine. Quelle copine? Mais tu m'avais pas dit qu'il y avait l'autre. Ah là là. C'est qui, ça? Je sais pas, mais m'excite. C'est une asiatique, toi, bien les asiatiques? Ou toi, ouais, vie, ouais. Toi, en fait. Moi j'aime tout, j'apprécie la femme en général. Ah, j'ai compris, toi c'est tout qui passe. Mais du coup, tu voulais me dire quoi? Ah, nada. C'était pas pour toi, j'étais confondu avec ton voisin. Ah, bref, vas-y, moi je vais danser. Si, vas-y. Ouais. Hola.
Ouais. Roule doucement ici, la BCSO, ils ont tendance à avoir le la main sur le la déchirure de, du permis. Hein. Si, mal. Ouais. Roule doucement, qu'elle me dit cette pute. Elle dit quoi, roule doucement, elle me double comme une merde. Oh bordel de merde. Oh bordel de merde. Hola chica, vous allez bien? Allô, vous allez bien? Oui, on va bien, mais il est apparu d'un coup. Oui. Comment ça, il est apparu? Il était devant toi, Caral, tu lui as rentré dedans. Non, je te dis que moi, il est apparu d'un coup. Tu peux n'importe quoi. D'un coup, le gars. Vous dites quoi? Non, les femmes qui savent pas conduire, faut appeler la médecine. Ah, mais ta gueule, je sais pas conduire. Vous avez pas pris les trousses de secours à la maison? Si, si, j'en ai pris une, ça va aller. Oh mon dieu, mais ouais, mais vous êtes deux, Caral. Ouais, ouais. Elle appelle qui? Elle est au téléphone en plus? Ouais. Non mais c'est une blague. Une femme qui conduit au téléphone sur l'autoroute. Oh mon dieu. Je te tape. J'appelle l'ambulance. Selon toi. Bah si Caral, mais je sais pas qui elle appelle. Bah t'appelles l'ambulance. C'est ton travail de citoyen. J'ai juste qu'il y a eu un accident. Ils vont peut-être nous dire d'aller directement là-bas. EMS BC, j'écoute. Voilà, bonjour, il y a eu un petit accident, enfin un gros accident sur l'autoroute. Ok, vous êtes où là? Ben, sur l'autoroute, les deux filles elles ont eu un problème et du coup je me suis arrêté pour. LS ou BC hein? Ok, bah faites-moi un appel et je viendrai au plus vite. Si, je vous ai fait un appel de suite. Quoi, t'as besoin de l'hôpital toi? Vous là, asseyez-vous là-bas, cassez pas les couilles. Il a voulu appeler un médecin. Pour lui, on est des femmes fragiles, écoute. On fait une urgence. Mais il était pas là. T'as vu comment tu stationnes ta voiture, mais vas-y. Et au pire, on savait aller nous-mêmes à l'hôpital, hein, quoi que non. Non, il arrive. Assieds-toi, Caral, au lieu de faire la folle. Mais tu me parles pas de la folle. Assieds-toi, hein. Putain de mais merde. Mais d'où tu me dis assieds-toi? Parce que regarde, il est en train de tomber là, asseyez-vous. D'où je tombe? Asseyez-vous toutes les deux. Est-ce qu'il est saoulant? Sous-là, c'est moi qui ai mis de bruit une voiture. Et le mec là-bas, il est foutu. Le mec, il est foutu. La médecine, elle arrive. Hein. La médecine. Je vais mourir quand j'entends. Vite, elles ont eu l'accident, les deux filles. Ok. C'est les deux. Bah dis donc, bonjour madame. Bonjour, docteur. Oh putain. Le MSBC, j'écoute. Non mais tu vas pas répondre au téléphone maintenant, elles sont malades là. Ça bouge. Ça dépend grave. Pourquoi. Qu'est-ce que c'est ce médecin putain. Les deux sont à moitié mortes. Ok bah venez sur l'hôpital de Paleto, je vous soignerai là-bas. Oui, Paleto, ouais. Paleto. Bon j'espère qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital et ouais, sinon merci. Ça ok. Qui s'est fait percuter là? Vous avez percuté qui? Ok, moi ça va emporter plutôt un gros véhicule. Vous étiez ceinturés toutes les deux? Ouais. Est-ce que ton véhicule il roule encore? Ouais, je me doute bien. Est-ce que tu vas te sentir capable de conduire? Moi ça va, j'ai juste eu. En fait, on a tourné, genre de prochaine droite. On a fait des cercles et j'ai plus eu limite une grosse envie de vomir. Bon, ça va. Ok. Tu vas te sentir capable de venir jusqu'à Paléton? Ok, bah tu me rejoins là-bas. Vous me rejoignez toutes les deux là-bas. Tout de suite. Vous, monsieur, je vous remercie beaucoup. T'es sûr que tu peux conduire? Arrête, s'il te aussi, plaît. Vous non, moi je suis avec elle, mais je suis pas. J'ai pas eu d'accident. Mais du coup, sinon je conduis, je vous amène. Hein. Mais d'où tu vas nous conduire? T'as pris ta voiture là, de place. C'est pas grave, on pose votre merde et okay, je vous amène. Je ne rejoins pas du tout. Ok. Allez conduire, t'inquiète. On a l'habitude, nous, en tant que membre du LSP, d'avoir des accidents. Non, mais habitude ou pas habitude. Ah! Oh mon dieu. Putain, femme au volant, je te jure, c'est grave. Oui, avec une feuille en papier, je crois pas que.
Allez, avance. Ça, il a pas l'air très... Oh avance. T'es malade, avance, bordel de merde. Tu couperas je des gens après. Je te jure qu'à un moment, ça va partir. Tu m'énerves, tu viens d'avoir un toi, accident si tu et tu casses arrête. Les couilles. Avance, caralho. Oh putain. Allez, on avance, bacalao. Allez, assieds-toi là-bas. Pardon, qui c'est qui m'a dit bac à quoi? C'est moi le bacalao. Oh là là, comment? C'est moi le bacalao. Qu'est-ce que tu me racontes? Vous avez dit bacalao, mais ça veut dire quoi? Moi j'ai absolument rien dit en fait. Ah bon? Bah okay. Non. Par contre, vous avez l'air encore plus mal en point que moi. Allez vous asseoir, monsieur. Ouais, gracias, gracias. Au lieu de faire la médecine, va t'asseoir. Toi aussi. Par contre, je te assieds-toi, jure, assieds-toi, arrête-toi. Assieds-toi. Je comprends pas. Toi, Anna, pareil, va t'asseoir là-bas au lieu de. Mais bah, trop faire les je me pour... tiens, je me tiens au comptoir, tu vois pas. Oui, mais tu t'es fait mal aux jambes, Karel. Comment oh ça oh là là, s'il te plaît. Et je te jure que c'est un jour au boulot, on se prend une balle une fois, mais jamais on te le dit par contre. Comment ça, jamais tu le dis? Tu te fous de ma gueule? Oh, comment ça? Il t'est arrivé quoi, toi aussi? Je pense. Ah, il est passé chez le médecin, je vous vois tourner ici, je me dis. Quoi, on est au Club Med de quoi ici? Ah, j'ai eu une putain d'accident où en fait. Ça nous a vite fait toucher, on a surtout fait des tournis-tournis. Pas genre la tête à l'envers. La médecine, mais, t'es capable de nous forcer de rester au lit. J'ai plus eu envie de vomir limite quand ça s'est arrêté, mais ça va. Et lui là, il est en train de nous saouler. Je te saoule. Oui, là, tu me saoules là. Qu'est-ce que ça va être là pour... Franchement, c'est pas méchant, hein. Mais quand je vais bosser et que oui, je serai dans une fusillade et que oui, je vais prendre une balle, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je te roule dessus alors si je te saoule. Ah, voilà. Moi je me suis déjà pris une balle. Hein, après, il a raison, assieds-toi. Hein. Ah, vous cassez les bonbons, asseyez-vous toutes les deux. Mais quoi, tu vas me porter? Bah, s'il faut. Hein. Bah, vas-y. J'avais passé une bonne soirée, un José, au fait. Merci. Comment ça, on a essayé? C'est ma faute? Ouais, c'est ta faute, je viens de le dire. Non, mais comment ça, c'est ma faute? Tu sais pas conduire et tu te prends une voiture et c'est ma faute. Ah, putain, je suis vraiment désolé, monsieur. Bon, bah, de toute façon, on est plus à s'appeler. Quelles sont les personnes qui ont pas des choses moins graves? Pas du tout graves, même. Les deux filles, elles sont graves. Oh Adrian, l'écoute pas. Les tu deux filles sont graves. Je vais bien. Accident, voiture, autoroute, dangereux. Vous êtes des filles. Moi, c'est José Francisco. D'accord, ok. Donc, les messieurs qui ne sont pas très graves, c'est pourquoi? Moi, c'est pas que c'est pas très grave, c'est juste que je suis. Mais comment ça, c'est pas grave? Occupe-toi de... Mais. C'est déjà plus là, ça fait mal, monsieur? Complètement con, oui. Venez avec moi les filles s'il vous plaît. Allez, les femmes. Mais vous, du coup, ça va, messieurs, quand même? Ouais, je viens d'avoir un accident, et ça va, ça va. Ça va aller un peu plus près que... un peu plus loin que vous, là-bas, là. Mais moi, ça va, en vrai, c'est surtout moi, hermano. Non, ah, vous êtes hermano, tous les deux de facilité à bosser. Okay. Non, c'est pas... On est pas ensemble. Non, mais je parle pas de... Ouais, je pense que c'est seigneur. Je sais pas, tu me dis hermano et du coup, je vois pas aller où toi, hermano. Je vais te demander de retirer ton haut juste au moment de niveau des épaules. Ça devrait suffire. Il est dans le unité d'urgence. Mais non. Ok, alors. Allez. C'est beau, c'est. Ça... Moi, c'est Tom Winters. Moi, je viens juste comme ça. C'est un bon ami. Juste comme ça dans le. Pour une consultation. Non, pour une consultation, parce que. J'ai eu un accident aussi, mais. Okay, je te si, vous avez encore une marque sur le creux de l'oreille. Exact. Faudra vous faire soigner, parce que sinon. Ouais, après, je me suis fait pique par un enfoiré sur le tour. Si vous laissez infecter après, c'est pas bon, hein. Ah bah, c'est sûr. Hein. Hop, je te laisse faire. Ah là là là, quelle journée de merde, mon dieu. Exact. Au début, je suis passé, je voulais. Après, je devais retrouver Sanae, mais. Dire que de base je devais juste aller pêcher un peu et aller peut-être trouver du travail, les deux trous de balles de girl, elles se sont plantées dans l'autoroute, mon dieu. Femme au volant, problème au tournant, hein, comme on dit. Hein. Je vais pas tailler les femmes sur condition mieux que moi. Vraiment. Ah ouais, super, alors vous êtes pire que la femme au volant, les problèmes au tournant. Hein. Le souci c'est que quand je conduis, je suis tout le temps à 200 km/h du coup. Bon. Ah, vous avez une voiture qui va à 200 vous? Ah bah putain. Oui. Ça va, la tourne elle est bien? Ouais, tranquille, on est là. Ça va, vous faites quoi dans la vie? Clark? Concessionnaire. Ah, mais attends, c'est quoi votre nom?
Tom Winters. Ouais, juste une petite question. J'ai essayé de travailler avec vous. Enfin, la concession. Si je laisse mon chien chier dans ma mariée, ça peut être chose équilibrée. Elle m'avait appelé pour ça, ça n'allait tout à l'heure. Super. Ah. C'est moi qui lui ai conseillé que pour vous postuler ici au Mécano Nord. Mais du coup, la concession, c'est pas possible parce que moi, j'aime bien vendre l'eau à Twitter. Bah pour l'instant, c'est pas vraiment possible, mais peut-être aux prochaines sessions de recrutement, ouais. C'est juste que là, on a recruté beaucoup de personnes. Le patron, il m'a dit, on veut que des gonzesses. Du coup, bon, je me sentais un peu mal à l'aise, quoi. C'est ça, en gros. En gros, c'est ça. Pourquoi il n'y a pas des vagins, hein. Non, en fait, le truc, c'est que c'est pas parce que c'est pas qu'il y a une préférence envers les femmes ou quoi, c'est juste qu'on aimerait un peu de diversité. Bon, une entreprise où il n'y a que des hommes, c'est un peu... Si on peut quand même... Je veux dire que c'est un peu bizarre quand même pour un garçon de se dire bon tu travailles pas parce que t'es un garçon parce que toi on hobbit. C'est bizarre. C'est bizarre mais c'est pas vraiment ça. C'est juste qu'on aime un peu de diversité parce que bon on aime répondre à toutes les clientèles possibles. Donc s'il y a des clients qui veulent pas par exemple. Ah parce que vous avez des clients homme, qui veulent travailler avec des femmes, c'est un peu bizarre ça aussi quand même. Mais malheureusement c'est comme ça. Peut-être des femmes qui préfèrent travailler avec des femmes, par exemple. Ça peut arriver. Vous leur vendez des voitures, vous leur faites pas des médecines ou... Je sais bien, mais c'est comme ça. C'est le métier, on va dire. Je comprends. C'est quand même je sais pas, peut-être qu'il y a un couple qui va arriver et que l'homme ne veut pas que la femme parle avec l'homme, avec le concessionnaire en question. Par exemple, ça peut arriver. Des histoires de jalousie, comme ça. Il y a des histoires de jalousie, il y a beaucoup de conneries. Donc bon, on essaye d'être très très divers, d'avoir beaucoup de monde. Quoi. Pourquoi, toi? Ah, oh, ferme-la! Tu t'es fait soigner là ou tu fais quoi là? Bah oui, j'ai de la crème sur le torse. Mais ça va mieux? Ça. Ça peut pas aller pire là, ça serait bizarre sinon. Ouais, je vais extrêmement mal et j'adore ça, c'est génial, José. C'est de Mazo, incroyable. Vu ce qu'elle s'est pris, je pense que oui, elle doit aimer ça, oui. Mais en vrai, frère, ouais, en fait, c'était deux, juste là. Rien. Je te jure, hein. Comment faudrait ça s'est pas que tu... Non, mais il faudrait pas que tu regardes les caméras, enfin nos bodycams quand on bosse parce que. Mais... Tu me ferais démissionner en fait. Tu veux que je regarde ton body pendant que tu travailles? Non, la bodycam. En fait, la bodycam, c'est quand on bosse avec les speedy, c'est un truc qu'on filme avec. C'est sur notre torse. J'ai aucune idée de ce que quand ça veut travaille, dire. C'est filmé. Quand on travaille, notre travail est filmé. Voilà ce que ça veut dire. Si, ça veut dire c'est le bordel. En gros, quand un policier n'a pas le bodycam, c'est qu'il va faire une bavure. Faut être clair. Je n'ai jamais la bodycam. Ah bah voilà, on fait tout le temps des bavures, toi. On fait tout le temps des bavures. De toute façon, ça voit bien, t'es une fille à problème, toi. Ouais, clairement. Moi, j'ai eu un passage dans mon véhicule, je confirme, elle est pour les bavures. Hein. Ah oui, avec le BCS. Le fameux jour où on s'est fait arrêter aussi. Bon, C'est un peu le comble pour la police de se faire arrêter par la police. Oh bah oui, coucou, c'est 01. Allez, au revoir. Allez, salam. À la prochaine. Bon, on lève le pied quand même. Ouais, je vais lever le pied, c'est ça, t'as raison. Je crois qu'on est roulé plus vite. Ah, super. Déjà, on a bien vu qu'on était sur l'autoroute. Elle a pas. Je crois que l'accélérateur, à un moment, faut lever un peu le pied quand même, Mélina. Non, moi, j'ai fait non, il y a que dans les descentes que j'arrive à aller au-dessus de 200 et ça m'énerve. Comment ça, tu vas 200 avec ta merde? Bah oui. Pardon. Alors, par contre, la merde, non. Alors. Alors, je me suis pas cassé le cul 15 minutes à lui vendre un véhicule pour qu'on dise que c'est de la merde. Hein. Bah, on va pas se mentir, entre vous et moi quand même, c'est pas une voiture. C'est le meilleur véhicule du monde, je veux rien savoir, c'est le brawler. Oh mon dieu. Et vous êtes concessionnaire, putain de merde. Bah oui, justement, tu sais que c'est grâce à lui que je sais. Laissez-moi deviner. Que ça recrute pas aux concesses. Laissez-moi deviner, vous préférez le Camacho, s'il te plaît. Pardon yeah. Comme ça, pas ce jour-là. Y'a pas quelqu'un qui veut payer. Non, pas du tout. Tiens, 600$ seulement. Quoi 600$? Oh, caralho. Attends, 600$. Je vais faire mon dessin aussi. Parfait. Hop. Avec quel putain, t'es tout seul ce soir, sérieux? Oui, oui, et puis là, j'ai encore un appel du BCSO. J'ai une appel d'un sur l'autre. Je veux bien être soigné, un joueur. Non. Mais justement, c'est vous qui l'a appelé. Il faut faire quoi? Je comprends pas. Il y a un léger problème de personne ici. Mais le problème, c'est que dans le sud aussi, en fait. Sinon, juste, il y a un mec, je crois, qui est allé au mécano là-bas, qui est par terre depuis tout à l'heure et personne lui vient en aide. What? Mais j'ai fait des appels et tout, mais. Si, mais s'il est tout seul, le pauvre. Vraiment. Allez, je sais. Ah non, il va bien. Stop. Ah bah finalement, il va mieux. Très bien. Hop, c'est ça, c'est bloqué. Très bien, j'aurais besoin de votre nom et prénom, s'il vous plaît. On est. Bah, c'est pas vous qui l'a emmené, monsieur? J'ai clairement été mis sur la blacklist, je crois. Tu n'as pas de comprendre, tu comprendras pas. Ah là, je vais pas poser de questions. Et... Ok, très bien. C'est Casper qui est passé, tu connais?
Non, non, il est juste parti voir mon hermano, hein. C'est juste Mike. Ça. Ah, ah mince, il va prendre. Bon, ça va au pire, tant pis. Hein. Putain, il n'y a pas que dans le sud que ça dit hermano, ça le dit aussi dans le nord. Bah oui, hermano. C'est hermano. Hermano. Mais ferme ta bouche avec... Ah, il va m'énerver. Je crois que j'ai enfin ma photo. Je crois qu'il va y avoir mauvais feeling entre toi et moi ce soir, José, sincèrement. Hein, oh, je suis trop beau. Je te cherche. Ah si, tu fais l'accident, tu fais n'importe quoi. Alors déjà, tu as perdu ma canne à pêche. Tu as non, j'ai pas perdu la canne à pêche. La canne à pêche, elle est dans le coffre du quoi. Bah ça, c'est ton problème. T'as fallu juste ouvrir le coffre. T'es bête ou quoi? Je comprends rien. Je comprends pas tout. Articule. Je te l'ai dit. Ta canne à pêche, elle est dans le coffre de la voiture. Mais c'est non, pas dur. Dans le coffre de ma voiture. Allez, bonne journée, monsieur. Suivant, s'il vous plaît. Venez. Ah, gracias. Si vous êtes arrivé. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, d'accord. Vous allez bien? C'était le super. Ah, vous étiez à la page? On va dire ça. Donc pas du tout en fait. Exactement. Du coup pourquoi? J'étais clairement pas à la plage. Bah les tongs. Bon pas. Après soyons clairs, sur ma gauche nous avons l'exemple parfait du tong juste parce qu'il aime ça. Parce que les tongs c'est la vie, il fait beau, du coup les pieds ils respirent bien. Je te jure que si tu mets des tongs en hiver je me marre. Bah écoute, coup, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que vous avez monsieur? 200 sur l'autoroute, poteau, me voilà. Ah, pas bon, pas bon ménage. Pourtant, c'est pas Kevin qui conduisait. Attendez, y'a des poteaux sur l'autoroute. Bah, t'as failli en prendre un, fais pas trop la maline. C'est pas un poteau, j'ai pris une voiture, c'est pas pareil. Mais y'avait le poteau à côté. Eh, y'avait une voiture en contresens. C'est pour ça. C'est pas fou. Ah, c'était peut-être moi, c'était peut-être moi. Non, c'est pas sérieux. C'est une oracle. Mais le pire, c'est que ça m'étonnerait même pas. Ah non, c'est pas lui alors. C'est une oracle noire. C'était vers où? C'est bizarre les gens ici. Me dis pas que c'est toi. T'as une oracle, t'es sérieux? Attends, oh putain, c'était lui. Non, dis-moi, c'était Ben, juste avant votre accident. Sur la même route. Pas avec nous, ok, non, c'était pas moi, c'est bon. T'inquiète-toi, bien. C'est clairement pas moi. T'as 10 milliards de voitures, tu m'énerves. Hein? Non, mais elle est pas à moi. Elle est pas à moi, on me l'a prêté. Aïe, aïe, aïe. C'est bien, je roule quand elle est guy normalement. C'est juste que je devais déposer quelqu'un. Ou là, elle est guy, je veux là, elle est guy, moi. C'est ma voiture. Bah, c'est celle que j'ai. Bah, il va falloir la prêter alors, on va être amis. Hein. Jamais de la vie. Vous avez dit le brawler. Deviens coloc avec lui, du coup. Vous avez dit le brawler, c'est de la merde. Bien sûr, entre les guy et le brawler. Vas-y, t'es bon. Honnêtement, je préfère le brawler. Bah, c'est pourquoi t'as pris les guy alors? Parce que, je sais pas. J'allais dire parce que c'est moins cher, mais du coup, non. Comment ça, c'est moins cher? Et vous, monsieur, brawler ou les guy? Ouais, mais. Attendez, parce que j'ai l'impression de reconnaître lui. Te connaître moi? Non, pas toi. Ah, parce que là, oui, tu me reconnais. Bah oui, c'est lui là. Ils sont vraiment bizarres, les gens du jeu. Oui, tu me reconnais, cet homme. Et toi, ça va là, t'as l'air de. Ah. Ok. Moi, ça va, tranquille. Cool. Bah oui. Allez. Ah oui, ça va. Oh. Ça va. Je peux reconnaître cette personne, mais non, depuis une fois. Messieurs, dames. Bonsoir. Si, dis-moi. Oui, je suis Nofro, Blaine Kunchi, j'aimerais bien me. Louer une petite propriété, vous n'auriez pas le numéro d'un agent immobilier, s'il vous plaît? Alors j'ai pas trois pour... numéros, mais elle répond jamais. Bon. Oh là là. Je vais faire le test pour vous. Attendez. Allez, super, merci. Sinon, beaucoup. Vous avez les numéros sur le corps, bien sûr. Ouais. C'est pas ça. Bah rien. Vous n'y allez pas? On y va? Bah on va aller. Enfin, je sais même pas si y a le mécanicien, le mec. Ouais, super. Je crois qu'à cause de vous que vous êtes planté, ça a fermé. Mais non. À cause de votre accident de merde. Ça veut dire que si on serait morte, Écoute, je me suis occupé de vous, non? Oui, oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes toujours présent au garage? D'accord, très bien, tout de suite alors. Attention à vous, messieurs, et voilà, ça marche à tous les coups. C'était quoi cette boîte de pétasse? Ouais, c'est pour quand je veux avoir quelque chose, hein, je l'utilise. Ça veut dire que t'as jamais eu besoin de ça avec moi, donc c'est bien. Oh putain, oui, je. Ok, vas-y, venez. T'es con. Pourquoi c'est con? Ah, mais bah, tant mieux alors. Ah bah, si vous avez, vous, voilà, ça veut dire que bah, j'ai toujours eu ce que je voulais quand je te demande. Non, tu m'as jamais rien demandé, donc casse pas les couilles. Hein. Bah, si, quand je t'ai demandé de faire le ménage, tu l'as fait. Bah, j'avais pas le choix, sinon je n'aurais pas de maison. Quand je t'ai demandé de porter des trucs, bah, tu l'as fait. Mais pareil, c'est le contraire de la maison. Bah, vas-y, porte-moi. Mais je peux pas te porter, t'es trop lourd. Mais bah, c'est normal, avec tes petits bras de faible. Hein. Je sais pas où mettre mes bras pour te porter, c'est ça le problème. T'as jamais porté une meuf ou quoi? Bah, ça dépend comment on veut dire porter quoi. Comment ça? Bah, allez, on va faire pas. Une baignade dans la mer derrière. Comment ça, on va baigner? Bah oui, ça va faire du bien.
Mais j'ai pas de maillot, moi. Il est lié, il faut se détendre. Il fait chaud. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je fous là? Bah, il doit aller chez le mécanicien. Je crois qu'il y a autre chose de prévu d'abord, non? Attends. Mais ça va aller. Il doit d'abord voir le mécanicien parce que sinon il. Bah, je vais y aller tout seul, c'est pas grave, aller à la plage, je me déboule. Oh, le pauvre petit, hein. Bah, va avec, Anna. Moi, je vais avec. Et puis, on y va après tous ensemble? Je sais pas, je m'en fous. Ah, bah, on va tous. À tout à l'heure, hein. Faites attention quand même. Mais. C'était qui connaissait le mécanicien? Je sais pas, moi, mais c'est pas Tom. Grave. Bah, c'est celui qui est en train de se faire soigner. Ah, celui qui est en train de se faire soigner? Oui, c'est ça. Moi, je connais que Kevin et un peu le patron, parce qu'il est super sympa, le patron, tu vas voir. Bah, c'est bon, je me débrouille alors, t'inquiète, je négocie, je sais. C'est pour ça que j'ai pas de doute, c'est que vraiment, ils sont adorables. Ok, j'y vais. Allez, à plus tard, hein. Ouais, moi, je crois en toi, José. Si. Des sirates? Putain, ils m'ont mis un sale plan, ces connasses. Pour aller à la plage. Hein. Putain, quelle bande de connasses. Ça pour aller à la plage, je sais pas quoi faire. Genre.